participants. Allez, c'est la revue de presse de la semaine. Bonsoir Tanguy Pastureau. Bonsoir Florence, bonsoir à tous. Le Parisien Magazine publie une photo surprenante de Christiane Taubira. Oui, on pensait que Taubira, la petite mère pète sec, s'était foutue de nous en déclarant comme patrimoine trois vélos. Eh bien, pas du tout, hein, puisqu'on la voit à Paris juchée sur un de ses biclous, donc le tiers de ses biens, avec sur la tête un casque qui la fait ressembler à une boule de bowling. Alors, on a envie de lui enfoncer les doigts dans le nez et de faire un strike. Alors elle traverse en pédalant la place de la Concorde. À Paris, on appelle ça une tentative de suicide. La Jeannie Longo guyanaise est suivie à bicyclette par deux gardes du corps en train de cuire dans leur jus, hein, au point qu'on pourrait les servir à Top Chef. Donc on se demande où va Taubira à vélo, hein, au Franprix, au pressing pour récupérer des slips. Non, à l'Assemblée nationale, hein, normal. Donc sur le parking de l'Assemblée, il y a 400 berlines Renault et un Between de Décathlon, hein, le véhicule de Taubira. Ces gorilles ont juste peur qu'elle se mette à la patinette. Et VSD maintenant affiche en couverture la désormais incontournable Nabila. Oui, VSD révèle que la jeune Suisse, que les paysans adorent car elle a les mensurations d'un pneu de tracteur, a fait un mois de prison. Hein, sous la douche, le temps de faire le tour de ses courbes à faire saliver François Langlais, il restait plus rien sur la savonnette. À raison d'une par jour, Nabila a ruiné l'établissement. Alors elle a détourné de l'argent, hein, ce qui en Suisse est aussi courant que le fait de se prendre une murge à Dax pendant la feria. Mais plus grave, nous dit VSD, Nabila a récemment tué son chihuahua en s'asseyant dessus. Hein, le chien pensait que le danger venait de sa poitrine. Hein, quand elle le serrait contre elle, il partait en apnée, comme Jacques Mayol, mais avec des oreilles plus poilues. Il a été terrassé par ses fesses. Hein, paradoxalement, c'est pas de cul. Voilà qui est dit. Gala a suivi l'ancienne ministre Michèle Alliot-Marie. Oui, l'antithèse de Nabila se ressource, nous dit-on, en famille. Donc, traduction, elle est au chômage, hein, et s'ennuie comme Lance Armstrong sous EPO s'il faisait du tandem avec Taubira. Alors, on voit donc Mam jouer au billard, hein, une habitude selon elle. Mais on en doute, vu qu'elle tient sa queue avec la finesse d'un bûcheron québécois barbu qui est saisi de sa hache, hein, à pleine main. À chaque fois qu'elle fait une partie, elle déchire le tapis, hein, comme Aladdin s'y portait des patins à glace. Elle a déjà tué trois neveux qui se sont pris la boule noire dans le front. Cette dame, c'est Robocop en plus bourrin. Elle tient 7 secondes au flipper avant de faire tilt. Et au baby-foot, c'est la seule qui arrive à tacler. Et l'Express nous apprend maintenant que Ségolène Royal va sortir un livre. Oui, 15 portraits de personnalités qui ont traversé des épreuves et se sont relevées. Donc comprendre qu'ils ont eu le même parcours que son Altesse Sérénissime du Poitou. Hein, Royal a un égo gros comme un chébichou qui aurait été confectionné avec 140 litres de lait. Elle ne se compare donc pas avec Nabila et autres poufs sortis du catalogue Monsieur Meuble, mais à Nelson Mandela, hein, ce royal noir sud-africain, et à Roosevelt, ce président des USA moins charismatique que sa seigneurie des Charentes. Le dernier chapitre est consacré à Dieu, un sous Ségolène Royal, un bleu bit, selon Ségolène Royal. Bon, dans le point maintenant, on voit Henri Guénot lors d'une manif pour tous. Oui, c'est très beau, hein, il est acclamé par la foule qui lui crie « On t'aime, Riton hein, ». Pour un type qui a fait carrière dans l'ombre, c'est grisant. C'est comme si Laetitia, l'aide-soignante de Johnny, faisait Bercy et exposait ses 3000 sacs à main sur scène. Alors d'ailleurs, le point nous le dit, Guénot se voit déjà à l'Élysée. Hein, trois pleupleux lui disent qu'il est super et il s'enflamme comme une merguez de barbecue dans la graisse jute. Hein, quand un ami tape des mains pour éclater un moustique, il pense qu'il est en train de l'applaudir. Mais Guénot, attention, s'étant trompé de bouton lors du vote sur le mariage gay, c'est dangereux. Hein, si une fois président, il confond le bouton nucléaire avec l'interrupteur de sa salle d'eau, il va tout faire péter à la Kim Jong-un. Alors Paris Match a suivi Victoria Beckham et ses enfants au Louvre. Oui, ils ont visité un musée. Hein, c'est aussi incroyable que si Nabila lisait Proust. Voilà. Hein, pour elle, Proust, c'est juste le bruit que font ses seins quand ils se dégonflent. Oh là là. Victoria Beckham a mis du temps à comprendre le concept du Louvre. Hein, au départ, elle a décroché la Joconde pour trouver l'étiquette avec le prix derrière. Puis, au bout de 10 tableaux de maître, son cerveau s'est arrêté, hein, car rempli. Alors, Match nous le dit, pour se remettre, elle a fait une razzia shopping. Ouf. Hein, vu l'ampleur du truc, depuis son passage, il n'y a plus rien à vendre à Paris. Bon, et maintenant, un mot du magazine Notre Temps. Oui, qui célèbre les anniversaires des stars. Alors, on apprend que Mireille D'Arc, hein, cette actrice mythique, un huitième de Ségolène Royal, selon Ségolène Royal, a 75 ans. Hein, Franck Michael, le Justin Bieber des seniors, fête ses 60 ans. Ajoutons que Nabila a 20 ans, hein, sa poitrine 4. Ségolène Royal, 3000 ans. Elle a précédé Jésus, hein, c'est elle qui a créé le monde. Quant à Taubira, si elle veut fêter ses 62 ans l'an prochain, il faut qu'elle arrête de faire du vélo place de la Concorde. On la supplie donc de suivre votre conseil. Pitié. Merci beaucoup.